L'agate en général. La pierre de chalcédoine et la pierre d'agate peuvent parfois être confondues, car l'agate fait partie de la famille des chalcédoines. Mais chacune d'elles existe de façon innée, dépassant ainsi parfois l'apparence trompeuse. Pour autant, l'émotion reste intacte et propre à chacune d'elles. L'agate nous apparaît par une multitude de formes et de couleurs qui s'associent tout naturellement à la palette infinie de notre univers quotidien. Du marron sable gorgé de soleil au blanc laiteux rappelant le lait nourricier, surplombant le ciel azur contre la montagne verte de résineux aux écorces rougissantes par le vent attisé figé à jamais par le pinceau du maître. L'agate encourage l'homme et l'amène progressivement à s'accepter, comme étant tissu d'un tout indivisible. En cela, on peut s'interroger du fait de leurs différences, mais elles n'en sont pas moins une seule et même pierre. L'agate arbre fait partie de la famille des quartz microcristallins. Mots-clés: agitation, atonie, intuition, respiration, patience. Univers végétal. L'agate arbre nous plonge immédiatement dans les racines du monde et du moi, une sorte de commencement des choses, les racines, les fondements. Se plonger dans les profondeurs du ver, regarder les feuilles de l'arbre est le début d'un cheminement personnel qui conduit nous naturellement vers les racines de ce même arbre. Car au fond, si je ne connais pas les fondations des choses, ce qui a fait ce qu'elles sont, je ne peux les connaître vraiment et m'y perdre. Car s'en tenir aux strictes couleurs de cet agate arbre, induirait par syllogisme à l'être, c'est-à-dire à mon moi profond, que je ne connais pas ou que je ne veux peut-être pas connaître. C'est sans doute la peur d'y voir ce que je vais découvrir, car les racines de l'arbre, dont les parties invisibles sont bien plus grandes, plus secrètes, plus incertaines que les parties strictement visibles de l'arbre. Message de la pierre. Accepter ce que l'on est, se laisser le temps de vivre à ses côtés, entendu soi-même, dans la paix et la sérénité, afin de grandir comme le ferait l'arbre dans la forêt. Lecture associée, USR Rieben, La lumière cristallisée, René Descartes, Le discours de la méthode.